Oui, donc c'est la web-série toulousaine Capao, donc qui, pour présenter le dernier épisode de la saison 1, a décidé de montrer tout l'intégral de la saison et de finir par l'épisode final, l'épisode 12. La base de Capao est relativement simple. Si vous prenez l'univers dans lequel les super-héros existent, alors combat contre le mal est une chose du quotidien, et dans cet univers-là, on suit les aventures de deux gros fans de comics qui un jour tombent sur un livre qui explique exactement comment devenir un super-héros quand on n'a ni super-pouvoir, ni argent, ni quoi que ce soit. Quand on sait rien faire de ses 10 doigts, on prend ce livre, on peut le devenir. L'inconvénient, c'est que eux sont largement assez bêtes pour se dire chiche, vas-y, on y va, on tente le coup. Donc voilà, on va les suivre à travers la création, donc les entraînements, le suivi du livre, la création de leurs costumes, de leurs avatars, les premières tentatives de sauvetage de demoiselles en détresse, et la rencontre avec des vraies super-vilaines qui, pour le coup, sont des personnages d'une autre invention, donc des vraies super-vilaines qui, elles tapent pour de vrai, et que le problème, c'est que quand on se prend des vraies tartes dans la tronche, mais qu'on n'a pas d'entraînement, ça pique plus qu'on imagine. Donc voilà, c'est le principe de la série, deux imbéciles qui décident de devenir les super-héros de Toulouse, sauf qu'ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Nervous Guy Prod, en fait, l'histoire remonte à très loin, elle remonte à l'époque du lycée, et oui, à l'époque du temps jadis où j'étais encore jeune et fringant, et où j'avais des cheveux, et oui, c'est dur à croire. Au lycée, donc c'était un vieux trip qu'on avait avec un ami autour d'un personnage nerveux qu'on imaginait péter un câble régulièrement, donc le nom nous est resté, et le jour, en fait, je me suis posé la question de trouver un nom réellement pour un côté production, le nom de l'égide sous lequel on pourrait faire les différentes vidéos et différents projets, le nom de Nervous Guy Prod, mais revenu donc de ce souvenir du lycée, et puis je me suis dit que ça sonnait plutôt bien. Voilà, NGP, ça le fait, Nervous Guy Prod, c'est classe. Et donc mon pote, celui qui, donc avec qui j'avais créé le personnage, m'avait griffonné une idée de logo, duquel est dérivé le logo actuel, et donc du coup Nervous Guy Prod est resté. Alors, en soi, le nom n'a strictement aucune signification particulière. On voulait vraiment quelque chose qui soit simple, qui sonne énergique, qui sonne comics, qui visuellement est cette... Que le concept de la série, le fait qu'il soit ancré dans l'univers du comics, soit identifiable dès le nom, que ce soit d'un point de vue visuel ou d'un point de vue sonorité. Donc on s'est dit qu'on allait partir sur une onomatopée. On voulait éviter d'avoir quelque chose de trop simple ou trop facilement... ou copiable ou trop simple. Donc éviter bim, baf, bouf, bling. Donc on s'est dit que Kapow, ça sonnait plutôt bien. Et dans le logo, je vais pas mentir, il y a une grosse référence à Freakazoid. Donc ceux de la génération Animaniac se connaissent évidemment. Donc le K avec le point d'exclamation. Et donc voilà, il n'y a pas de signification particulière si ce n'est le fait d'ancrer dans le comics. Et le rendre visuellement et d'un point de vue sonore, d'un point de vue phonétique, le rendre vraiment identifiable dessus. L'idée de Kappa en fait est née d'un livre qui existe réellement, qui est donc le livre qu'on utilise dans la série, qui est donc c'est The Batman Handbook, The Guideline to Becoming a Superhero. En gros, c'est un livre de Scott Beatty qui fait partie des grands auteurs, des grands scénaristes de DC Comics, qui un jour s'est posé la question comment est-ce qu'on pourrait faire un manuel pour devenir un super-héros. Donc il s'est basé sur Batman, pour le personnage sans pouvoir, qui a par toutes les techniques, etc., et qui en a fait un livre complet. Et donc, en tant que gros Batman, j'ai acheté ce livre parce que je l'ai trouvé sur internet et j'ai trouvé le concept génial. Et avec des amis, on s'est posé la question, mais est-ce que quelqu'un était suffisamment bête pour se dire, vas-y, j'ai le bouquin, je suis l'entraînement, ça y est, c'est parti, on y va. Donc on a tripé et tripé et tripé sur ce livre, sur l'idée qui est ensuite devenue capable derrière, pendant un nombre incalculable de soirées, et jusqu'au jour où j'ai commencé à griffonner deux, trois idées, deux, trois histoires. Et le personnage de Xav est aborné, puis l'idée du duo, la référence aux vieux body movies des années 80 et 90 dans lesquels j'ai baigné. Donc le fait d'avoir ce binôme, donc le personnage d'Eric Henné. Et donc tout est parti de ce livre. Et donc le fait de l'utiliser comme un élément réel de la série c'était une évidence absolue. Et d'ailleurs on se fera le trip de le ramener, ce qu'on n'a jamais fait, on le ramenait sur le stand au Toulouse Game Show de 2015. Donc ramener le vrai livre sur le stand directement. Oui, justement, on a quand même bien la pression. C'est un peu comme emmener son enfant le premier jour à l'école. On espère que les gens seront contents et qu'ils seront gentils, qu'ils seront pas méchants avec lui.
mon rôle dans la série Capao, c'est le rôle de Xav, le colocataire de Eric, qui est joué par mon collègue Ben, et qui est le coloc gros geek qui s'assume complètement comparé à son camarade qui est lui complètement refoulé. Xav, en fait, c'est un peu moi dans la vie de tous les jours, un petit peu plus exagéré. Mais sinon, dans l'optique, c'est un peu moi. Donc du coup, il n'y a pas réellement de transformation ou de jeu à proprement dit, quoi. Je connaissais Sarah depuis un certain moment, qui elle, après, a rencontré Ben. Et de fil en aiguille, on a commencé à se côtoyer et on est devenus amis. Et à partir de ce moment-là, il y a eu quelques événements qui se sont passés, tout ça, et j'étais là pour eux, et ainsi que eux pour moi. Donc on est devenus très proches. Ça, c'est pour le côté affectif, en fait, entre nous. Et à partir de ce moment-là, quand il a eu Kappa en tête, tout ça, tout est venu, il m'a proposé ce rôle à ce moment-là. Genre, comme on peut voir dans l'épisode où on voit la voiture, la Kappa mobile, le capot, c'est moi qui l'ai fait en papier mâché. Donc voilà, c'est matériau de récupération, en papier mâché, carton. C'était un truc tout fait spécialement pour l'occasion. Mais voilà, après, accessoires, la cape de mon costume. Mon costume intégralement a été fait par moi et Ben. Enfin voilà, plutôt dans l'accessoire que dans le graphisme ou montage, tout ça. C'est un rôle de composition, il est très 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 difficile à interpréter, il n'est absolument et absolument pas calé sur des faits réels, j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est douce, fragile, délicate, très raisonnée, c'est juste qu'elle est vraiment très incomprise. Voilà, un génocide, c'est quoi après tout, hein, à part une régulation de la planète. C'est tout. Tout simplement, enfin quelqu'un qui me comprend, ça fait plaisir. Sans parler de caractère naturel, je pense que Ben a vu un certain exutoire à me faire jouer quelque chose de un peu vénère, comme ça le soir il avait la paix, il pouvait dormir. Alors, à la base, la Doomsgate a été créée par une autre personne, dont on taira le nom. C'est pas Voldemort, hein, c'est pas Voldemort. Et du coup, on a un peu repris ça. À la base, elle était vraiment très secrète, jusqu'à ce qu'une certaine personne décide d'en faire une agence matrimoniale. Je ne parle de personne. Je joue Daimyon, la grande patronne de la Doomsgate Corporation, donc une boîte de vilains maquillés en boîte de date pour trouver des rendez-vous. Et voilà, et je suis la supérieure de Chain, Sarah, que vous avez interviewé tout à l'heure, je crois. Non, mais il faut la recadrer un peu, parce que c'est vrai que bon, le petit personnel de nos jours, c'est quand même assez difficile étant donné la conjoncture actuelle. Il faut savoir resserrer un peu, mais c'est vrai que les gens se rebellent à force. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout avec les syndicats qu'il y a aujourd'hui. C'est très difficile hein, pour les patrons. Les patrons me comprendront. Non, vraiment. Ma meilleure amie couche avec le Réa. Non, plus sérieusement, c'est oui et non. En fait, Sarah, on se connaît depuis des années maintenant. Il y avait ce projet-là qui tenait à cœur de Ben, et Sarah l'avait bien encouragé pour le réaliser.
Ouais, ça va, oui. Je parle là. Et donc ce projet, il y avait ce projet là en cours, et c'est vrai que bah, c'est un projet entre amis. On se retrouve voilà entre potes le week-end. Et certains voilà vont jouer au foot, d'autres vont se faire des films. Nous on fait des films du coup effectivement. Et voilà, c'est une chouette manière de se retrouver. Et c'est plaisant de jouer des gens qu'on n'est pas. C'est ça qui est le plus paradoxal, c'est que effectivement en fait on joue des rôles et les gens ne nous voient, enfin bon, à part nos amis, mais les gens qui nous voient que dans ces rôles là ils ont l'impression elle a pas l'air commode ou ouais d'accord, alors que non, mais du coup voilà, c'est bien si les gens viennent pour voir qu'en fait non. Très bien, c'était très sympathique. On attendait avec impatience cet épisode 12. Il n'a pas gâché notre attente. Il était très très bon. On attend la saison avec impatience. Puis ils savent qu'il leur reste à faire. Voilà. Et non, très bien. Les cocktails, l'ambiance, tout, c'était vraiment génial. Alors la soirée était vraiment cool. C'est vrai qu'on attendait l'intégrale, surtout l'épisode 12, parce que l'intégrale, enfin, moi perso, j'avais déjà vu les autres épisodes. Et l'épisode 12 est vraiment à la hauteur, quoi. Donc il me tarde que tout le monde le voit, quoi. Ça, c'est clair. C'est quoi, Capao? Moi je connaissais pas du tout, du coup bah, c'est une super découverte, tous les épisodes vraiment géniaux, et puis le dernier, c'est vrai que voilà, il donne envie d'aller encore plus loin, donc super. Ouais, je pense qu'on va attendre avec impatience la saison 2. Ça, ouais. Ce qui se passe vraiment. Voilà. Vous déchirez tout, on vous aime. Et bien, petite soirée super sympa, plus avec les potes, ça fait toujours plaisir. Et puis donc l'épisode, le fameux épisode, qu'on a attendu longtemps certes, mais bon, on est content de le voir. Et les cocktails étaient super bons, les deux. Très bons. Prenez le Capao en premier, l'autre après parce qu'il tabasse. Conduisez pas, prenez le métro. Et le cadeau, bah, j'ai eu de la chance, hein, vu que je suis la seule à pas avoir ma place, mais si, voilà. Oui, c'était très très sympa, quoi. Il m'avait demandé s'il pouvait emprunter le lieu et tout. Moi, j'ai dit, bah, y a pas de problème. Même si vous voulez, je fais l'acteur et tout. Enfin, je vous aide du mieux que je peux. Et c'était une expérience très, très très sympa, très intéressante. Quoi. Détendu, rassuré. Parce que bon, entre le moment où on écrit une blague, où on va la tourner, la monter, la mettre en place et voir enfin la réaction des gens, il se passe un millier de choses. Le timing change en permanence. Donc, voir que la blague qu'on a pensée être vachement drôle dans sa tête au moment où on l'a écrit, bah, s'avère être effectivement drôle une fois que les gens l'ont regardé, c'est, bah, ça fait du bien et ça rassure grandement sur ce dont on est capable. Alors, on a eu de très très d'excellents retours et on est vraiment content et d'autant plus motivé pour la suite. Ah bah ça, c'est une expérience toute bête qui est arrivée vraiment par une demande de coup de main. Sébastien Laurent, donc, savait lui que j'étais pas loin d'être bilingue et que j'étais plutôt à l'aise dans tout ce qui était sujet de science-fiction. Donc du coup, lorsqu'il y a eu besoin de coup de main donc, pour les traductions des conférences, vu que l'augmentation du standing des différents acteurs demandait un staff vraiment disposé et prévu uniquement pour les traductions au niveau des conférences, donc du coup je me demandais si je pouvais donner un coup de main. Au final, l'expérience s'est avérée être bah, vraiment profitable pour tout le monde, vu que je me suis éclaté, les guests ont aimé, les agents aussi.
tout le monde semble être content. Donc du coup, on a répété l'opération en avril et donc maintenant en novembre. Et je dois reconnaître que plus ça augmente en guest et plus ça augmente en stress, mais l'expérience est tellement grisante d'excitation et c'est juste génial à vivre, vraiment. Alors, si je ne m'abuse, nous serons dans le hall 6, stand 612. Je crois. Après, c'est pas compliqué, vous cherchez le stand des loups, on sera juste en face. Eh ben, il en reste juste une au mois de décembre, donc le 5, on va faire une soirée Star Wars avec plein d'animations, plein de surprises, du quiz d'ailleurs, une carte de cocktail adaptée aussi. Donc voilà, il va y avoir plein de trucs très sympas.